Mon rôle là qui revient. Qu'est-ce que tu fais avec cette crevette dans la main, hein? Ah oui, je sais que t'es allergique, c'est pour ça. Je te demande qu'est-ce que tu fous avec cette crevette. Tu veux te suicider. À coup de choc anaphylactique. Si, si, je sais ce que ça veut dire. Je te rappelle que j'ai joué le rôle d'un ostéopathe allergique aux cacahuètes. Tu sais très bien ce que ça fait que de mourir étouffé. Tu gonfles, tu ne peux plus respirer. Pff, bon, bref, on s'en fout. Allez, donne-moi ça, Michel. Pense à tes enfants. Ils auront l'air malins quand ils raconteront comment t'es mort. En avalant une crevette dans un théâtre sordide. Bon, écoute, j'appelle ta femme et je te la passe parce que là, c'est... Oui, Laetitia, oui, c'est Fred à l'appareil. Hein? Eh bien, Fred et Michel, voilà. Bah, écoute, je t'appelle parce qu'il menace de manger une crevette. Hein? Non, mais je sais pas, mais on s'en fout. Non, mais. Non, c'est pas une gambasse tigrée du Venezuela. Non, c'est une crevette rose bio de Madagascar, apparemment. Ouais. D'accord, et t'as déjà fait le coup. Ouais, ok, ben je gère. Ouais, salut. Bah, écoute, elle veut pas te parler tant que tu lâcheras pas cette crevette. Donc tu me donnes le crustacé. On attend tranquillement que Laetitia rappelle. Hein? Je vais m'approcher doucement, tout va bien. Allez, tout va bien, Michel. Voilà. Voilà. Et maintenant, ça suffit, le chantage au suicide. Tu gâches la soirée, là, comme l'autre avec son t-shirt bleu. Pardon? Je suis un enfoiré égoïste? Je crois pas. C'est juste de t'aider, donc profites-en, parce que ma patience a des limites, Michel. Tout ne tourne pas autour de toi. N'est pas le centre du monde. Puis pense un peu à ceux qui souffrent vraiment. Moi, j'ai un cousin qui s'est crashé en avion dans l'Himalaya avec toute son équipe de rugby. 2880 mètres. Moins 20 degrés. Ils y sont restés 66 jours. Pas de vivre. Mais que les plateaux repas de l'avion. Les rugbyman, ça fait pas lourd. Quand ils sont arrivés au bout, ils ont commencé à manger les corps de ceux qui étaient morts congelés dans le crash. Croyez-moi, tu dois grignoter ton meilleur copain. Tu rentres pas indemne. Ils sont partis à 15. Ils sont revenus à 3. Que des avant. Impossible de faire un match en rentrant. En plus. Et hop! Vous avez vu? Je viens de jouer une scène, là, c'était pas vrai! Je vous ai eu, hein! Mon cousin Laurent, il est capiste à Lisbonne! Rien à voir, il mange du poulet toute la journée! Voilà pourquoi moi, je suis un acteur, et toi, tu n'es qu'un régisseur, Michel! J'ai fait ça pour t'aider, pour que tu réalises la chance que t'as. On va dire que j'ai mis mon talent au service de ta petite personne. Oui, Laetitia. Je peux pas te le passer pour le moment. Mais ça suit son cours. Je te tiens au courant. Regarde-moi ça, Michel. Quelle ingratitude. T'as fait ça juste pour me faire culpabiliser et pourrir mon spectacle. C'est dégueulasse comme attitude. Tu te rends compte du malaise? Pardon, monsieur? Ben oui, c'est une vraie personne. Un peu de respect, c'est Michel, quand même. Parce que vous avez cru que je parlais à une personne imaginaire toute la soirée? Et vous croyez que je suis dingue, ou quoi? Non, c'est comme une nouvelle forme de spectacle, quoi. C'est du théâtre réalité, hein. Ah, sacré Michel. Oh là là. Ah.